Eh bien, salut à tous les amis, c'est Davy. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, les amis. Aujourd'hui, les amis, nous allons essayer, enfin, je vais essayer de trad mon Yeti. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je fasse plus de vidéos sur ce sujet. Je sais que Prime Furious fait aussi beaucoup de vidéos de trad pour voir est-ce que certains pets vaut ce prix-là, enfin vaut ces échanges-là, je vais y réussir à parler. Donc on va tout voir dans cette vidéo. Et du coup les amis, comme vous pouvez le voir, j'ai remis mon skin que j'avais mis à un moment donné avec la petite bouée. Je l'aime trop ce skin-là, il est trop cute. Et donc, dans cette vidéo, les amis, nous allons faire des trades. Et je vous explique pourquoi je trade mon Yeti. Alors, je vous explique. Alors, je trade mon Yeti parce que... Là, c'est en train de bugger, mais... Parce que, vous l'auriez bien compris, je l'ai en double. Du coup, vu que je l'ai en double, bah, pourquoi pas l'échanger contre un ou plusieurs pets en échange. Donc, je sais pas si ce pet vaut beaucoup ou pas. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo les amis. Donc je vais me déplacer déjà au centre-ville pour faire des trades. Par contre je ne suis pas sur un serveur de riche. Donc nous allons faire avec les amis. Ok. Déjà je regarde si j'ai activé mes trades les amis. Oui, j'ai activé mes trades. Donc, j'attends que les gens me demandent une trade. Qui veut ce charmant Yeti? Il est juste mignon. Qui veut ce Yeti? Je le trade. Qui veut que je lui trade mon Yeti? Alors, les amis, ça m'étonnerait que cette personne me trade son animal de l'océan. Hey, je sais plus comment s'appelle celui-là. Le octopus. Donc, je pense que cette personne va pas m'échanger. Sûrement pas m'échanger contre mon Yeti. Parce qu'il est quand même légendaire. Ah, il est déjà en trade, lui. Bah, écoutez, les amis, on va attendre. Voudra bien échanger ton dragon contre mon Yeti. Allez, dis oui s'il te plaît. Je te rajoute d'autres pets si tu veux. Je te rajoute d'autres pets. Dis oui s'il te plaît. Je t'en supplie. Mais je pense que la réponse est non. Voilà les amis, vous voyez, je le sais déjà, la réponse est non. Il va pas m'échanger son dragon. Donc c'est perdu d'avance. Toi, je sais que tu vas pas m'échanger ton cerf contre mon Yeti. Personne n'en veut mon Yeti. J'espère qu'il va avoir un peu plus de trade, sinon on va changer de serveur les amis. Et toi contre ça, tu veux bien? Attends, je regarde déjà si je l'ai. Bah, je l'ai déjà, mais on va voir déjà si cette personne veut bien. Ah ouais, il est fly des rides. Elle va pas accepter. Elle va pas accepter, c'est obligé. Elle va détrade, les amis. Vous voyez, je le savais déjà. Elle détrade. Donc, je sais pas comment je peux faire. Comment je pourrais faire? Au pire, les amis, on va changer de serveur. Voilà, on va changer de serveur. Et je pense que en changeant de serveur, il va peut-être avoir un peu plus de monde que ce serveur que j'ai quitté. Alors, déjà là, ça charge. Ça a du mal. Ah, c'est bon. Voilà. Et nous allons voir sur ce serveur si
il y a déjà plus de monde. Je pense que ça va être pareil ou un peu plus, on va voir. Alors, est-ce que tu vas vouloir m'échanger? Ah, il y a déjà une demande, les amis. Voilà, je l'échange contre ça. Mais tu vas pas vouloir, c'est sûr et certain. Il est fly des rides, les gens, en général, ne veulent pas. Quand le pet n'est pas fly des rides, en fait, le mieux, c'est de mettre deux potions fly des rides sur son pet quand on veut l'échanger. Sinon, souvent, ça marche pas. Bah, lui, il va pas me l'échanger. Bah, de toute façon, il a quitté. Ah, bah, il y en avait deux sur le serveur. Je l'ai pas, celle-là. Ils ont de la chance quand même d'avoir cette licorne-là. Je sais pas comment elle s'appelle celle-là. Il a une potion. Alors, une potion contre mon pet, je pense que ça vaut largement. Mais souvent, les personnes n'acceptent pas. Donc, on va bien essayer, les amis. On va essayer. On va voir si cette personne voudrait bien que je lui échange. Mais la réponse, ça va être non. Voilà. Ça marche pas. C'est dommage. Ah bah la vache est même pas. C'est même pas la peine. Ça vaut pas du tout, les amis. Ça vaut pas. Ça ne vaut pas. On va pas accepter de toute façon. Ça sert à rien. Le chien, même pas la peine. Je ne vais pas accepter une trad juste pour un chien néon. Ça ne vaut pas non plus. Donc je sais pas quoi faire, les amis. Est-ce que toi tu veux accepter? Alors s'il te plaît, dis-moi que tu veux accepter. Je te rajoute d'autres pets si tu veux. J'en ai rien à foutre. Oh! Pourquoi tu veux pas accepter? T'es pas gentil. J'en ai marre, les amis. Personne veut mon pet. Mais il est mignon, mon pet. Toi, tu vas pas me l'échanger. Je sais bien, tu vas pas me l'échanger. Allez, s'il te plaît, échange. Non, les amis. Il veut pas le m'échanger. Je suis trop triste. Je suis condamné à garder ce pet pour moi. Je ne pourrai pas l'échanger. Je suis trop triste. Bon, bah c'est pas grave. Peut-être une prochaine fois, je pourrai échanger enfin mon pet, les amis. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la partager à vos amis. Enfin voilà, vous faites ce que vous voulez. Si vous ne la partagez pas, enfin, vous faites ce que vous voulez. N'hésitez pas aussi de mettre un pouce bleu en bas de cette vidéo et de vous abonner à la chaîne YouTube, les amis. Ça fait toujours plaisir. C'était Davy. Ciao tout le monde. Bye.